Alors Annick, au cours d'un stage, tu nous as décrit la liturgie en parallèle avec l'arbre des Séphirotes. Pourrais-tu l'expliquer à nos auditeurs? Toute liturgie est une œuvre en commun. C'est un rituel qui nous réunit tous pour entrer dans la louange divine, mais une louange divine qui ne sépare pas l'homme de Dieu, qui au contraire unit intimement l'homme et son Seigneur. Donc c'est quelque chose qui prend racine, j'allais dire en bas et en haut, pour la terre et pour le ciel. Et c'est pour cela que je disais en effet que la liturgie était structurée de la même façon, je parle de la liturgie chrétienne ici, bien sûr, était structurée sur le même plan que les structures anatomiques de l'homme, anatomiques, physiologiques, et puis même subtiles de l'homme. Et de même que l'homme a passé les différentes portes de ses étapes de vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. De même, il a passé ces étapes-là à un plan plus subtil, à savoir être dans l'inconscience du monde animal, qui est notre monde dans lequel nous sommes encore tous aujourd'hui, sur le plan collectif, pour passer à sa dimension d'homme et d'homme relié à son Seigneur, jusqu'à ce qu'il devienne ce Seigneur. Voilà, ce sont ces trois étapes-là essentielles. Étape de l'inconscience, étape de l'ouverture du cœur, ouverture d'une intelligence du cœur, ouverture de la conscience, seconde naissance, comme les évangiles nous invitent à entrer, seconde naissance, et puis vraiment réalisation de l'être. Notre corps exprime ça. Et toutes les traditions sont d'accord pour parler de cette matrice d'eau correspondant au niveau pelvien. C'est là où nous attendons l'enfant dans le liquide amniotique. C'est là où il y a toute la circulation des urines. C'est là, vraiment, c'est le monde des os sur le plan physiologique. Et cela correspond à l'étape d'une humanité ou d'une personne encore totalement inconsciente, qui est noyée dans les os. Les os étant le symbole de ce qu'on ne connaît pas, du mystère par rapport au sec qui est de la conscience. Et nous avons à vivre par la suite une ouverture de conscience, c'est-à-dire il faut sortir des os pour pouvoir aller regarder ce qu'il y a dedans. C'est ce que fait le Christ à son baptême d'eau. Il va chercher, il va plonger dans le Jourdain, symboliquement, pour aller voir toutes les énergies de l'humanité qui sont à accomplir. C'est un geste magnifique. Et quand il sort des eaux, il va avoir la bénédiction du Père qui va lui permettre d'aller plus loin. Ce plus loin implique ce que le Christ invite Nicodème à faire, et là où le pauvre Nicodème n'y comprend rien. C'est la deuxième naissance, c'est-à-dire maintenant aller chercher ces énergies qui sont animales encore, mais qui donc risquent de devenir des monstres, de devenir des démons, de les prendre en main pour qu'elles ne jouent plus à notre place, afin que nous les travaillions. Et là commence ce travail divino-humain, où j'ai beaucoup parlé de l'intégration des énergies. C'est ce qui se passe symboliquement au niveau thoracique, où nous vivons la matrice de feu. C'est l'ouverture du cœur, c'est le feu du cœur. Ça ne peut se faire que dans un profond amour, un amour qui va beaucoup plus loin que ce que nous appelons l'amour, qui est la plupart du temps l'amour de soi. Or, il ne s'agit plus du tout de l'amour de soi. D'ailleurs, nous passons de l'ego à un nouveau jeu, un jeu divin à l'intérieur de nous. C'est tout ce feu qui joue au niveau du cœur, des poumons qui sont le souffle divin, n'est-ce pas, les poumons, qui se prolongent dans les mains, et c'est la main qui va être un fer divino-humain. Les mains sont un symbole d'un fer divino-humain qui va s'exprimer par l'art et toutes les œuvres d'art, etc., faites avec nos mains.
Et puis, il y a après la matrice du crâne, qui est beaucoup plus mystérieuse. Et là, c'est l'homme qui devient son seigneur, qui entre dans la dimension divine, qui réalise le divin. La liturgie suit exactement ce même plan. La vraie liturgie chrétienne suit ce même plan. Et elle commence par une liturgie de pénitence, c'est-à-dire reconnaître que l'on est encore totalement inconscient, qu'on est encore esclave de nos animaux. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit d'une prise de conscience. Et ça, c'est tout de même très très différent. Avec la prière pour que, qui est adressée vraiment au Seigneur, pour qu'il nous aide à sortir de cette noyade, identifiée à tout ce monde animal jusque-là. Sortir de cette noyade, essayer de nous souvenir. La notion de souvenir est une notion extrêmement importante. Souvenir de ce que nous savons et de ce que nous avons oublié. De plus, le verbe se souvenir est aussi le même mot que le mot mâle par rapport à la femelle, ce qui veut dire que quel que soit le sexe que nous avons, homme ou femme, nous avons à faire œuvre mâle en nous-mêmes, c'est-à-dire à descendre dans ces eaux pour aller chercher les énergies potentielles qui sont là, comme je le disais tout à l'heure, les prendre en main, et afin qu'elles ne jouent plus à notre place, et puis entrer dans ce grand œuvre divino-humain, ce processus d'intégration de l'énergie qui va donner son information. Un peu, si tu veux, comme lorsque nous prenons un repas, nous nous nourrissons et les différents éléments de cette nourriture vont donner leur information à travers les dons de calcium, de sodium, les enzymes, etc. Enfin, tout ce qui va s'intégrer à notre chair, à notre sang, et qui va faire que nous allons continuer de pouvoir grandir, de nourrir notre corps. C'est un peu cette même réalité qui se joue à un niveau beaucoup plus subtil, naturellement. Et là, si cette matrice, c'est le centre de ce travail liturgique, et il est introduit dans l'Église orthodoxe par le chant qui acclame les mondes angéliques, parce qu'il s'agit de toute cette montée de l'échelle au fur et à mesure de l'intégration de ces énergies. Nous montrons les échelons de l'échelle qu'a vu Jacob, qui est à l'intérieur de nous, symbolisé par d'ailleurs la colonne dorsale, les vertèbres de la colonne dorsale. Et là, ce sont toutes ces énergies angéliques qui sont là pour nous accueillir, qui sont là pour que nous les devenions, pour que nous les intégrions. Et ces démons deviennent des anges. Et c'est quelque chose de prodigieux que cette expérience intérieure que nous pouvons faire. On fait cette expérience angélique, c'est quelque chose de prodigieux. Et on entre dans une joie incroyable. Et non seulement dans une joie, mais dans une qualité d'amour nouveau. Ce n'est plus la qualité de moi. C'est pas l'amour de moi, c'est vraiment l'amour de l'autre. C'est quelque chose de... Et c'est un amour qui vit les souffrances en souffrant et sans souffrir. Qui vit les peines en ayant de la peine et en n'ayant pas de peine. C'est très difficile à dire, on ne peut que parler par des négations de ce qu'on vient de dire. Des antinomies. Les antinomies, parce que c'est le lieu de toutes les antinomies, de toutes les contradictions. Parce que dès qu'il y a une contradiction, nous sommes invités à passer à l'étage suivant, où il y a la résolution de cette contradiction, qui trouvera sa propre contradiction. Il faudra passer à l'étage suivant. Ça n'a rien à voir avec les thèses et les antithèses qui trouveront une synthèse quelque part. Ça reste à l'horizontale. Tandis que là, c'est les antinomies qui vont trouver leur vérité, leur unité à un étage suivant, c'est-à-dire à un niveau de conscience suivant. Autrement dit, c'est une verticalisation de l'être magnifique, admirable. Et c'est ainsi que l'homme arrive à la porte de la matrice du crâne. Et ça, dans la liturgie, c'est symbolisé par l'Eucharistie. Parce qu'au fur et à mesure que nous montons ces échelons, notre espace intérieur grandit,
nous nous libérons de plus en plus de cette liberté royale, et plus le temps se raccourcit. Le temps se raccourcit. À la limite, il n'y a plus de temps. Et quand nous entrons dans la matrice du crâne, dans ce qui symbolise la matrice du crâne, c'est-à-dire cette étape de la divine Eucharistie, il n'y a plus de temps. Et c'est pour ça que le symbole est intimement uni à l'archétype. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Et que le pain est devenu le corps du Christ. Le vin est devenu le sang du Christ. Parce que nous ne pouvons pas le comprendre avec nos catégories mentales actuelles, mais il n'y a plus de distance entre le monde intérieur et le monde extérieur. Entre cette chair fondatrice sur laquelle j'insiste tellement souvent, cette chair fondatrice de l'être, c'est-à-dire ce noyau divin fondateur, et puis ce qui le symbolise à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est l'acmé de la divine liturgie. Et bien sûr, à la fin de la liturgie, c'est l'hymne de louange, l'hymne d'union mystique au Seigneur. C'est une belle montée de l'échelle. C'est magnifique, c'est magnifique. Une belle liturgie, c'est quelque chose de superbe. Malheureusement, l'Occident est devenu très squelettique sur le plan liturgique, parce que le symbole a été beaucoup trop éliminé. Là maintenant, l'Église s'est ouverte au symbole. Et moi, je me souviens que dans mon enfance, c'est-à-dire avant la guerre, parler du symbole, c'était parler de quelque chose de diabolique. J'ai été renvoyée combien de fois comme étant une païenne, ou je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'on veut, comment on. En tout cas, d'étape pas chrétienne, quand je parlais du symbole. Alors, je voyais dans la Bible, je prenais la Bible, j'ai tout de même eu 20 ans en pleine guerre, donc j'étais assez grande pour voir que tout ce qui était dans la Bible était symbolique, tout au moins dans les premiers chapitres surtout, que tout cela était symbolique. Et on me renvoyait en me disant que je n'avais rien à comprendre et plus que je n'avais qu'à accepter comme c'était. J'ai des souvenirs cuisants tout de même de tout cela. Alors heureusement, tout ça, c'est tout de même. Mais la liturgie n'en est pas moins restée squelettique. Annick, peut-être que tu es passée un peu vite en disant que les démons deviennent des anges. Est-ce que tu peux un peu développer? C'est-à-dire que ce sont les mêmes énergies, si tu veux. Ce sont des anges potentiels. Ce sont des énergies potentielles qui peuvent devenir ou démons ou angéliques. Tu vois? Alors s'ils deviennent des démons, ce sont les tueurs de Charlie Hebdo. Voilà, ce sont les démons. Mais si cette énergie avait été vraiment transmutée chez ces êtres-là par une religion intelligente, comme elle peut l'être, parce qu'il y a des aspects magnifiques de l'islam, si ces êtres-là avaient connu cet islam-là, ils seraient devenus des anges. Tu nous dis que cette énergie, ou on la laisse jouer toute seule et elle peut faire des dégâts, ou on la travaille et on l'intègre, et c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Exactement. C'est ce qui le fait grandir, c'est ce qui lui l'amène à d'autres niveaux de conscience, parce que ces énergies sont de l'information. La physique quantique le dit aujourd'hui, donc il y a une intelligence nouvelle, c'est pas le QI qui change, c'est une toute autre intelligence, c'est une compréhension des choses, c'est une mémoire qui nous est redonnée de ce que nous savons et ce que nous ne savons pas que nous savons. Voilà, c'est ça, tu vois. Et il y a cette mémoire qui nous est redonnée, et c'est une connaissance tout autre que la connaissance qu'on apprend dans les facultés, tu vois, dans les universités. Et moi, combien de fois je vois des universitaires qui ne comprennent rien à tout cela. Ils sont très très calés, ils sont bardés de diplômes, mais ils ne comprennent rien. On va essayer de t'expliquer. Merci beaucoup. Ils ne sont pas tous comme ça, hein. Oui. Il y a des universitaires qui sont magnifiques.